Votre mère et moi, on va divorcer. Je sais pas ce que votre mère vous a raconté, mais je vais vous expliquer ma version dans des mots que vous comprenez. Je vois que t'as une jolie poupée. C'est à toi, non? Oui. Dis-moi, tu l'aimes ta poupée? Oui. Oui, tu l'adores? Oui. Ah oui, c'est bien normal. Et si je t'annonçais un jour que tu pourrais plus jamais jouer avec d'autres poupées que celle-là? Qu'est-ce que ça ferait? Je serais triste. Tu serais triste, c'est sûr. Parce qu'il y a un tas de poupées dans ta chambre. Sauf que si tu joues avec les autres, tu pourras plus toucher à cette poupée-là. Même si celle-là veut plus jouer avec toi depuis un bout de temps. Au fond, vous vivez dans le déni. Ce n'est pas réaliste. Dans le déni. Il y a d'autres poupées qui te plaisent. Chaque année, il y en a des nouvelles sur le marché. Tu veux une hôtesse de l'air? Ouais. Ou bien une poupée serveuse légèrement grassouillette? Ouais. Ou encore une poupée qui est en fait la meilleure amie de cette poupée-là? Oui. Avouez que ça vous plairait? Ouais. Ou une avec laquelle vous jouez une fois et revoyez jamais? Ouais. Ou disons que votre ami joue avec une poupée un soir et il a besoin de vous pour que vous veniez vous occuper d'une autre poupée. Vous en aviez pas envie, mais vous dites oui parce que votre ami s'amuse et vous voulez pas rester là et laisser votre poupée toute seule. C'est pour ça que votre maman... La monogamie, ce n'est pas réaliste.